Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le ministre des Finances, j'ai joué à ma voix à mes prédécesseurs pour quelques étés votre département ministériel pour les votes consentis au conseil du gouvernement. Nous nous félicitons, malgré le ralentissement de l'activité économique et la prise en compte des nouvelles contraintes, que la volonté du gouvernement de maintenir ses finances sur le chantier de la consolidation budgétaire soit une réalité patente. God bless Cameroun. Messieurs les ministres, les charges du personnel est une constante, mais elle apparaît très souvent comme une surprise. Messieurs les ministres, n'existe-t-il pas une projection à terme, soit 5 quinquennales ou de 10 ans. Monsieur le ministre, à l'époque de l'adoption de la loi relative à la PE, le gouvernement avait pris l'engagement de compenser le manque à gagner sur les recettes douanières qui ne cessent de se creuser. Si les anciennes mesures ont montré leurs limites, ne peut-on pas envisager de nouvelles mesures pour plus d'efficacité? Monsieur le ministre, la rubrique budgétaire, transfert et subventions, connaît une hausse de 360 milliards. Et ce montant, comme il est dit dans l'exposé de motifs, est dédié aux marketeurs. Voulez-vous nous donner plus de précisions? Vous avez commencé dans la commission, vous êtes arrêté, donc pour vous présenter sur les subventions à la fin. Nous voulons quand même avoir plus de précisions puisque ça concerne l'ensemble des marketeurs. Monsieur le ministre, dans cette loi de finances rectificatives, il est dit à son exposé de motifs que l'inflation est contenue en deçà du seuil de convergence de la CEMAC. Quel est ce seuil de convergence? Est-ce que cette disposition peut-elle nous garantir aussi le maintien du coût de la vie? Monsieur le ministre, le gouvernement a engagé des négociations pour une révision à la hausse du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Peut-on supposer qu'il y a donc perte du pouvoir d'achat de la monnaie? Et la deuxième question, quelles dispositions envisage-t-on le gouvernement pour ne pas connaître une inflation pernicieuse? Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu me donner la parole. Je vous remercie. Bien. Le sénateur Ami de Maurice était le dernier à intervenir. D'abord, sur les charges salariales, est-ce qu'on peut planifier, parce qu'il y a des revendications qui arrivent vous. J'en ai parlé un peu tout à l'heure en disant que notre objectif, c'est toujours de rester au niveau de 35% des recettes fiscales. Bien sûr, il y a deux ou trois façons de le faire. La première façon, c'est de stabiliser la masse salariale, c'est-à-dire qu'elle n'augmentera pour qu'on ne dépasse pas. Oui, on peut le faire, mais ça a un inconvénient. C'est qu'on aura quand même besoin de recruter des gens. On doit recruter des gens dans les forces armées, on doit recruter des gens dans la police. Il y a des besoins qui sont là. On doit recruter des gens dans la magistrature, on doit recruter des enseignants. On en a parlé tout à l'heure parce qu'on crée de plus en plus d'établissements. C'est une bonne chose de créer des établissements. Donc, plafonner le recrutement, c'est bien. On ne dépasse pas les chiffres, mais ce n'est pas là parce qu'on ne satisfait pas les besoins. Donc, la première façon, c'est plafonner.
Pourquoi est-ce que vous considérez à 35%? Mais il y a une autre façon, c'est qu'on peut bien recruter, la masse salariale peut augmenter. Mais si les recettes fiscales augmentent aussi, vous comprenez que l'augmentation de la masse salariale n'est plus tellement un problème, parce que cette augmentation est absorbée par l'augmentation des recettes fiscales. Donc, vous pouvez rester à 35%, soit parce que vous ne recrutez pas, ou alors vous recrutez, mais si vous augmentez les recettes, vous serez toujours à 35%. Et c'est plutôt vers ça que nous allons, parce que nous ne devons pas arrêter les recrutements. Nous devons faire des lois responsables, bien sûr, mais nous ne devons pas arrêter les recrutements. Et là, il faut peut-être que la pression, ce qu'on appelle la pression fiscale, augmente aussi, c'est-à-dire un peu plus d'impôts, un peu plus d'impôts, pour qu'il y ait un peu plus de recettes pour absorber l'augmentation de la masse salariale. Et puis, c'est vrai, quand le ministre des Finances vient nous dire qu'il faut augmenter les impôts, je suis sûr que tout le monde a peur, c'est que nous allons payer plus. Non, c'est pas forcément pour ça qu'on augmente aussi. On augmente aussi, comme vous le savez, en élargissant l'assiette. Il n'y a pas d'argent qui ne paye pas. Il faut peut-être les amener à payer. Pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent. C'est ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale. Bien, vous avez parlé des APE. Vous avez dit que le gouvernement s'était engagé à compenser le manque à gagner des recettes pour l'année. Donc, je voudrais bien dire de quoi il s'agit. Ce n'est pas que le gouvernement s'engage. Le gouvernement avait tout simplement dit ceci. C'est que chaque fois qu'on présente le problème des APE, on dit toujours qu'on va perdre ceci à la douane. On va perdre ceci à la douane. Et j'avais déjà eu, je crois, c'était devant vous, devant les députés, j'avais déjà eu l'occasion de prendre un exemple. Et je disais que non, chaque fois qu'on dit qu'on perd à la douane, la perte, je la mets entre guillemets. Parce que de quoi s'agit-il? Et j'avais pris un exemple, les tracteurs, comment on l'appelle les tracteurs. Vous vous rappelez, vous, quand vous avez voté la loi des finances 2021, nous étions en 2020 en plein Covid, vous avez accepté l'exonération totale. Quand on peut importer les tracteurs agricoles, les bateaux de pêche, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut nous permettre d'accroître notre propre production, nous sommes dans l'import substitution. Vous vous rappelez que vous avez voté ça. Mais quand vous votez pour une telle disposition, c'est-à-dire on ne paye pas, mais on baisse, pardon, les recettes de manière. C'est bien ça, c'est de ça qu'il s'agit. On baisse les recettes de manière, puisqu'on ne paye pas. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas considérer cela comme une perte. C'est pour ça que je mets perte entre guillemets. Parce qu'on présume que plus on aura des tracteurs, plus on aura des bateaux de pêche, plus on aura ceci, plus aussi la production agricole va augmenter. Et quand la production agricole augmente, il y a d'autres recettes qui augmentent, notamment les recettes fiscales. Ce qui baisse, c'est ce que nous appelons les recettes à la porte, c'est-à-dire à la douane, à la frontière. Mais après, ça tourne. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui se lancent dans la pêche. Donc, on recrute des gens, on paye les impôts, on fait ceci. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que quand vous lisez la littérature des grands pays, vous n'entendez jamais les grands pays dire les recettes douanières sont des femmes. Non. On parle toujours des recettes fiscales. Parce qu'on se dit que plus ça entre, plus il y a accélération de la production. Et plus il y a accélération de la production, plus il y a des revenus fiscaux. L'objectif étant, donc, nous l'espérons, que l'augmentation des recettes fiscales soit supérieure à ce que nous avons constaté comme la baisse des recettes douanières. Bien, peut-être que le travail n'a pas encore été complètement fait, mais on peut se rendre compte que si le PIB continue d'augmenter, c'est bien qu'il y a une activité qui augmente dans le monde. Et ça peut être dû, entre autres, au fait que grâce aux APE, les choses qui coûtaient extrêmement chères commencent à coûter moins cher. Il y a d'autres gains qui ne sont pas, qu'on ne peut pas évaluer en termes financiers, par exemple en matière d'environnement. C'est naturel. Si on fait venir les voitures, si les douanes, la douane continue de prélever, si les droits de douane sur les voitures continuent d'être au niveau où nous sommes, vous comprenez qu'après, les Camerounais qui vont acheter des voitures, c'est d'accord avec moi. Parce qu'avec les prix actuels, nous avons des voitures qui coûtent 28 millions de francs CFA.
mais nous risquons de rien nous autres. C'est trop clair. Mais, sénateur, qu'est-ce que les gens font comme ils ne peuvent pas payer ces voitures neuves, ben, ils vont acheter des voitures dans un état qui pollue l'environnement. C'est-à-dire qu'il peut avoir des conséquences sur la santé, mais ça, on ne peut jamais mesurer que ça coûte combien quand l'environnement est pollué. Et peut-être que si ça baisse, quand dans ce pays, quand dans nos pays, les gens commenceront à voir qu'on peut avoir des voitures neuves à 20 millions, je dis n'importe quoi, c'est un chiffre. Vous voyez comment vous allez multiplier le nombre de personnes qui peuvent acheter une voiture neuve et donc qui vont moins polluer en achetant des voitures, en achetant des voitures. C'est à peu près ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que ce qu'on perd au niveau de la loi, on peut le gagner au niveau de l'accélération de la production. Bien, vous avez également posé une question sur les transferts et subventions, qui connaît une hausse. Le chiffre que vous avez vu, c'est parce que c'est le chapitre qui va absorber le soutien, la subvention que l'État accorde pour que les Camerounais continuent de payer, d'acheter le pétrole à la pompe au prix qu'on achète. Je vous ai dit, c'est un chiffre qui est extrêmement important. Le pétrole a augmenté sur le marché international. La logique économique aurait voulu que cette augmentation soit imputée à la pompe. Mais dans le cadre de la politique humaniste et sociale du chef de l'État, il faut préserver le pouvoir d'achat des populations. On dit donc qu'on ne vend pas, le prix reste tel quel. Mais il y a bien quelqu'un qui a importé. C'est-à-dire qu'il a subi l'augmentation à l'étranger et qui dit, mais moi je veux récupérer ça, comme vous ne voulez pas, payez-moi. Ce n'est pas le manque à gagner. Et quand le manque à gagner, bien, le chiffre que nous avons, c'est-à-dire 500 milliards, ça fait beaucoup. Et c'est donc cela qui explique l'augmentation de cette ligne dans les transferts et subventions. C'est essentiellement les subventions des prix à la pompe. Il est clair qu'il faudra bien se subventionner autre chose, parce que les engrais sont subventionnés aussi. Le blé, comme vous savez, il faut le subventionner. Donc on a une bonne subvention qui est quand même élevée. Mais c'est un autre problème, mais qui mériterait quand même d'être adressé aussi. Bien, à la fin, vous avez demandé d'abord l'inflation. On a dit l'inflation est contenue en deçà du seuil de convergence de la CEMAC, sans que je vous dise lequel. Le seuil de la CEMAC, c'est 3%. Il faut parler de la CEMAC. Bon, je sais aussi que beaucoup sont surpris quand nous disons que nous sommes à 3%. C'est dit, mais tout a augmenté, tout a augmenté. Oui, mais d'abord, je crois à l'Institut national de la statistique qui nous donne ces chiffres-là pour vous dire que, en fait, quand on calcule le taux d'inflation, ce n'est pas seulement le produit que nous connaissons, il y a d'autres. Si les loyers n'augmentent pas, si telle chose n'augmente pas, tout cela entre dans l'indice du prix et pour savoir quel est le niveau. Bien, et vous avez également demandé si le niveau de la vie, je n'ai pas compris, ou bien le niveau des. Si c'est l'inflation qui va passer. Ce que je sais, c'est qu'au niveau du ministère du Commerce, il y a un gros travail qui se fait pour contenir autant que faire ce que les augmentations. Le ministère du Commerce fait suffisamment ce travail, je crois qu'il pourra vous en parler pour que l'inflation. Nous savons qu'il y a pas mal de choses, hein, les armes de première nécessité qui augmentent, nous avons des rapports qui nous sont souvent faits, mais c'est un travail qui est fait au niveau du ministère du Commerce pour que le niveau des prix n'augmente pas de coût. Bien, vous avez également parlé du relèvement du SMIC et je taquinais le ministre Wolle qui était avec moi, dit, ah, tiens, il y a une question là-bas qui t'est adressée. Donc, ce que je peux dire, peut-être il va vous dire ça mieux que moi, c'est que les discussions ont commencé. Le ministère des Finances, effectivement, participe à ces discussions. Le dernier rapport qui m'a été fait de mon représentant en ces réunions, c'est qu'il y avait en gros deux choses à dire. La première chose, c'est que, est-ce que les différentes parties, parce que dans ce que fait le ministre Grégoire Corona, dans son domaine, il y a toujours ce qu'on appelle le tripartisme. C'est-à-dire que les discussions se font à trois. Il y a les employeurs, il y a les travailleurs, il y a les employeurs, ils ont les syndicats, les travailleurs, ils ont les syndicats. Donc, dans ces discussions-là, première chose, consensus général de tout le monde, on dit qu'il faut que ça augmente. Première chose. Si j'ai bien lu le rapport, il pourra peut-être me corriger si je me trompe. Deuxième chose que j'ai lu dans le rapport, c'est que c'est sur un montant qu'il y a encore des différences.
Les travailleurs peuvent s'y attendre, l'un d'entre plus, les employeurs, puisque c'est eux qui payent leur commande. Bon, mais tous sont d'accord pour livrer les conditions, et je crois donc que le ministre du Travail va peut-être vous le dire. Le ministre du Travail a demandé que les réflexions continuent pour que peut-être on arrive progressivement à un niveau d'équilibre où on peut en être. Voilà ce que je peux dire sur le SMIG, sur la dernière question que fait le gouvernement pour que nous connaissions une inflation pernicieuse. Je crois que j'y ai répondu en disant qu'au niveau du ministère du Commerce, il y a un travail qui se fait pour les négociations, pour qu'on maintienne les prix à un certain niveau. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'au niveau du ministère chargé de la production, quelque chose qui augmente, c'est quoi? On dit souvent en économie que c'est un bien rare et un cliché. Car on est rare et cher. Ça veut donc dire que si vous voulez lutter contre la cherté, les biens ne sont pas rares. Donc il faut que la production augmente aussi. Et je crois que ce que nous faisons dans le domaine de l'import substitution vise à aller également dans ce sens. Plus on produira, plus on aura des produits sur le marché, et plus on aura des produits sur le marché, moins le prix sera élevé. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Ministre.